Page étoile triangle de sens de marche. Composant schéma de commande. Fusible sectionneur Q2 et Q3. Transformateur 424e. Volt. Contact pré-coupure Q1. Bouton poussoir NOS2 première 100 de rotation. Contact NO de KM2 13 à 14. Bobine KM1. Bouton poussoir NOS3 deuxième 100 de rotation. Bobine KM4. Contact NO de KM4 13 à 14. Bobine KM24V KM1. Contact NF de KM1 28 à 29. Bobine KM5. Bobine KM3. Contact NF KM3 28 à 30. Contact NO de KM3 13 à 14. Contact NO de KM1 13 à 14. Contact de relais temporisé 5S NO. Contact de relais temporisé 5S NF. Contact NF de relais thermique F1. Contact NO de relais thermique F1. H3 triangle. H4 étoile. H3 signifie l'absence ou la présence de courant. Astérisque composant schéma de puissance. Moins 3 linges de phase. Fusible sectionneur tri Q1. Contacteur KM2 première 100. Contacteur KM4 deuxième 100. Contacteur KM1, démarrage étoile. Contacteur KM3, démarrage triangle. Relais thermique F1. Le moteur asynchrone triphasé M3. Astérisque fonctionnement. Astérisque une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM2 ce qui provoque son auto-alimentation. L, excitation des bobines KM5 et KM1. Le démarrage du moteur en couplage étoile. 5 secondes après, le contact de relais temporisé de KM5 changement état ce qui entraîne la désexcitation de la bobine KM1. Excitation de S bobine KM3. Le couplage du moteur passe de étoile en triangle, le démarrage est terminé. Astérisque une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1, désexcite tous les bobines et le moteur s'arrête. Une action sur le bouton poussoir S3 excite la bobine KM4 ce qui provoque le même cycle décrit précédemment avec une inversion du sens de rotation du moteur, en effet il y a inversion de deux phases dans le circuit de puissance. Remarque, il faut verrouiller électriquement et mécaniquement les contacteurs KM1 et KM3, ainsi que KM2 et KM4 pour éviter les courts-circuits. L, excitation des bobines KM5 et KM1. Le démarrage du moteur en couplage étoile. 5 secondes après, le contact de relais temporisé de KM5 changement état ce qui entraîne la désexcitation de la bobine KM1. Excitation de S bobine KM3. Le coup